partir du 2 juin, les lycées situés dans les départements verts accueilleront progressivement les élèves, au moins sur l'un des trois niveaux pour commencer. Dans les départements en orange, les lycées professionnels accueilleront dans un premier temps les élèves de terminale et de CAP. Les élèves de lycées généraux et technologiques seront, eux, convoqués pour des entretiens individuels ou du travail en petits groupes. On va être dans quelque chose de très très mesuré avec un accueil d'un nombre d'élèves probablement extrêmement réduit. En priorité, on imagine bien qu'on accueillera les élèves qui seront aux oraux de rattrapage et qui, eux, ont évidemment besoin d'une préparation. Quant à l'épreuve d'oral du bac de français pour les élèves de première, elle a été supprimée et sera validée en contrôle continu. Prendre cette décision-là montre bien aussi la valorisation que nous voulons, et parents et élèves en particulier, envers cet examen, c'est-à-dire le tenir dans des conditions égalitaires, de façon à ce qu'il ne perde pas de sa valeur. Le ministre de l'Éducation l'a assuré, à partir de mardi, toutes les écoles et collèges vont rouvrir au moins sur une partie de la semaine.